Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire pousser le piment à l'infini, et ce, depuis votre maison. Nous allons semer nos graines de piment en utilisant des peaux de banane. Commencez donc par découper les peaux de banane comme démontré sur la vidéo. Ensuite, retirez les graines de votre piment en les étalant sur les peaux de banane de cette façon. Tâchez d'enfoncer légèrement les graines de piment à l'aide de votre doigt sur les peaux de banane. Coupez les morceaux de peau de banane en vous assurant que chaque morceau porte au moins 3 graines. Ce qu'il faut retenir est que les peaux de banane accélèrent la germination de certaines graines. En plus, elle offre des nutriments pour la bonne croissance des graines. Bienvenue sur Agripreneur en action. Ici, on parle exclusivement d'agriculture. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Pour le semis, remplissez des bouts de bouteille, de sol de jardin ou d'un substrat riche, fait de 2/3 de terre et d'un tiers de compost ou fiente. Avant de semer vos graines dans le sol, arrosez légèrement, puis placez les graines de cette façon. Recouvrez ensuite d'une fine couche de terre. Et arrosez. Recouvrez les pots de semis avec un sachet plastique pour maintenir une température et une humidité idéales pour favoriser la germination rapide de vos graines. Vous pourrez de temps en temps retirer le sachet plastique pendant quelques heures avant de le remettre, simplement pour permettre une bonne évaporation. 7 jours après le semis, on peut observer la levée des premières graines. Dix jours après le semis, toutes les graines auront germé. Il faudra encore quelques temps avant de penser à transplanter nos jeunes plants. 30 à 40 jours après le semis, on observe des jeunes plants vigoureux, prêts à être transplantés. Pour repiquer les jeunes plants de piment, commencez par vous munir de contenants légèrement percés en bas pour évacuer les éventuels excès d'eau. Remplissez ces contenants d'un substrat riche fait de 80% de terre et de 20% de compost ou de fiente. Ensuite, le repiquage proprement dit se fait en plaçant un plant par contenant. Pour ce faire, premièrement, vous pouvez détruire le plant le plus faible et ne planter que le plus vigoureux. Deuxièmement, si vous vous trouvez dans le cas où tous les plants du pot sont vigoureux, repiquez-les de cette façon. Arrosez abondamment et placez vos plants dans un endroit aéré et ensoleillé. Vingt jours après le repiquage, vous observerez l'apparition de petites fleurs qui deviendront plus tard des fruits. À ce stade, vous pourrez remuer un peu le sol et faire un apport de compost sous forme liquide ou solide pour accélérer la croissance. 30 jours après le repiquage, les fleurs seront devenues des fruits. À ce stade,
Vous pouvez utiliser un fertilisant fait de bananes pour favoriser la floraison et le développement des fruits. La banane contient énormément de potassium, un nutriment important pour la floraison des plantes. Jours après le repiquage, vous pourrez observer une croissance plus marquée de vos fruits. À ce stade, les besoins en eau de la plante deviennent plus grands. Vous pouvez donc pailler le sol pour freiner l'évaporation de l'eau du sol et donc maintenir votre sol humide pendant plus longtemps. 60 jours après le repiquage, plusieurs de vos fruits commenceront à mûrir. Vous pourrez les récolter un à un ou attendre un mûrissement plus généralisé pour faire une récolte en une seule fois. Vous pourrez continuer à récolter vos piments de cette façon chaque semaine pour environ les 3 prochains mois à venir. Après cette période, le plant de piment s'épuise généralement et donne de moins en moins de piments. Par ailleurs, pour garantir une période de production longue et abondante, apportez un fertilisant à la banane chaque semaine. Cela aidera votre plant à donner plein de fleurs et accélérera le mûrissement des jeunes fruits. Voilà, comme promis, vous avez appris comment faire pousser le piment à l'infini. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo.